Le S3 Tour est un tournoi de street football qui te donne l'occasion de représenter ton quartier. La finale a eu lieu dimanche dernier au Jardin des Halles à Paris 18e, où les vainqueurs ont gagné 3000 euros de chèque cadeau et vont représenter la France à Riga lors d'un grand tournoi de street football. Le S3 Tour, c'est également la possibilité d'être élu MVP du tournoi et de représenter son étape lors du grand Fight Ball, concept organisé par Céane Garnier. Dans l'épisode précédent, Rouen a été une étape de folie où c'est la City qui s'est imposée face aux jeunes sans Blas. Aujourd'hui, on va voir qui va représenter la ville de Grande Synthe. Ya 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 ! Et aujourd'hui, on est à Grande Synthe ! Moi, je me présente, je suis Fares, Laïzac, Lamahad. On est la team sans blaze, on n'est pas venu pour se faire envoyer. Nous, on est la team sans folie, on n'est pas là pour rigoler. Nous, c'est la team de l'OGS, et comme on dit chez nous, notre devise, deviens le capitaine de ta vie. Bah, nous, c'est la team USM, on y pratique un football allemand assez rigoureux, et on verra ce que ça donne. Nous, on est la ZAG, et on n'est pas là pour rigoler. Maghreb United, on représente tout le Maghreb. Ouais, ouais, on est l'équipe semelle, maintenant, guettez le terrain. Et on commence avec un show de la team S3. Accompagné de B-Boy Kid Mario et Martin Lejeune. C'est le premier match, l'équipe, ça va être le bordel, je le sens. C'est là, c'est maintenant, tout de suite. Maghreb United, la ZAG. Ça fait deux, ça fait un. Let's go. Et c'est parti. Voilà, c'est une remise en jeu, exactement. Et ça fait un zéro. La musique. Le premier match très serré qui se termine par une égalisation à la toute dernière minute. On a ressenti une petite aisance de la part de la ZAC, mais ils n'ont pas su capitaliser, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il y a 4 partout, 1 contre 1, Soufiane, tu penses qui va passer là? Moi, c'est la ZAC. C'est la ZAC. Let's go. Bébé, me des bisous. On avait dit, les chouchous. Allez, viens. Allez, viens. Le deuxième match très attendu puisque c'est la première fois qu'une équipe féminine participe au S3 Tour. Big up à elles et on espère qu'elles donneront de la force aux autres filles. 2-0 pour les filles, voilà ma prédiction. Encore bravo aux filles et big up à Semel FC qui ont tout donné et les ont respectés. Semel FC, la team Fares. Bon, nous on est la team Fares, on s'appelle comme ça parce que surtout une famille, c'est mon cousin à ma gauche, il s'appelle Isaac, et mon petit frère à ma droite. Mon rêve, c'est de me faire voler. Je travaille dur. Et moi, mon rêve, ouais, petit balleur, c'est trop tard. Sinon, on va arrêter d'y poser. Famille, les enfants, et toujours faire du foot. Franchement, il y a un mec bah, qui était là à l'ancienne édition, à Lilou. Les gens, je pense, se souviennent comme de lui. Très bien beau, je suis pour en finale aussi. Et non, franchement, sur Triple R, je pense que c'est le meilleur d'un coeur. Ouais, franchement, je trouve que c'est bien. On se ressemble tous pour la même cause et on kiffe. Hein. On prend du plaisir. Prend du plaisir, ouais. Un mélange de générations. Ça permet aussi de sortir sur ce jeu parce que je pense que cette génération c'est plus comme la génération, on a plus quand on s'est chillé. Habituellement c'est chillé. Ça fait plaisir de voir charger et voir tout le monde jouer ensemble. Enfin, là, je suis pas le foot, hein. C'est quelque chose qui doit se partager entre les générations et ça vous plaisir. Que lâchez pas. Le Sao Paul. Let's get it. Ça rentre. Le bug, ça va s'accélérer.
myself. Le crochet qui a fait décaler deux joueurs. Et c'est un point. Et tu me ça y est, le niveau s'est élevé. Et c'est une victoire de Team Fares. On passe au match suivant. Team USM en bleu. Et la team Samblatas. Il y avait une équipe, juste pour la petite info, à Rouen, il y a deux jours, il y avait une équipe qui est venue à la fin. Une huitième équipe qui n'était pas inscrite. Ils avaient 14 ans et ils se sont appelés Samblaz. Ils sont allés en finale. Et ils ont perdu en finale. Troisième quart de finale. C'est dans la merde, c'est dans les problèmes pour mon équipe, elle est finale. Victoire des Samblaz, même si elle était difficile, on passe au match suivant. Let's get it. Wow, ce match là est très très chaud. Les deux équipes sont très techniques, vraiment choquées par le niveau. Match incroyable, incroyable, égalité, égalité la famille. Match très intensif, vraiment il y a eu du beau jeu des deux côtés, des beaux buts. Et maintenant, 1-1, et c'est parti pour le 1-1, ça va être très très chaud. En vrai, j'aurais dit Semel, mais Semel, je les vois plus en jeu, tu vois. Je pense que Sofiane il va l'exterminer. On pousse pas. Allez Sofiane. On pousse pas, je lui dis pas. Sofiane il est chaud. Oh là là, Sofiane il est très très chaud. Attention. Bravo les gars, bravo, bien joué les gars, bravo, c'est un bon match, c'est un bon match. Bon allez, deuxième demi-finale, voilà, demi-finale, deuxième demi-finale, franchement ça va être lourd, les deux équipes sont très très chaudes, regardez-moi ça. Et sur ce match, on a pu voir un Abderrahmane incroyable. Il nous a sorti des skills de ouf, mais sans oublier son petit frère. Vraiment, cette famille a du talent. Ouais.
باش كيشري هذا البروفيسيونيل تاعنا كيشري هذا البروفيسيونيل تاعنا تاع الباسمو كاسمو القهوه ولا واش تضرب على ديري جماعة ولا جماعة. Après avoir rendu fou Sofiane Benkok, c'est à la Team S3 de mettre des panas. C'est pas sérieux, 2-0. C'est des choses qu'on va faire pas voir maintenant. Continue. Et on passe à la finale tant attendue qui opposera la team Lazac vs la team Fares. Qui va gagner cette grande finale? Qui va représenter Grande Sainte à Paris? Qui sera élu le MVP? Ça se passe maintenant. Ah, il a essayé, ça va passer. Oula là, ouh! Du score, 1-0 pour Lazac. La carte est du coca, la distribution. Aïe, 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 aïe. Et contre toute attente, c'est Abderrahman qui prend le premier petit pont. Quelle réponse du petit frère qui nous met un petit pont de malade. Arrêtez de regarder. 6-3 toujours. Cette vidéo les gars, franchement à Grande Sainte il y avait une énergie de malade, de malade. Comme je disais, gros big up à toutes les équipes qui ont participé, franchement il y avait un niveau de malade, vraiment c'était incroyable pour nous, vous en avez pas fait quoi. Franchement elle, l'ambiance elle était cool, le niveau il était sympa de fou, il y a eu des panas de fou. Mais bon, est-ce qu'on peut dire, on dit c'est l'heure. Ouais c'est l'heure. S'il vous plaît, la famille, faites un maximum de bruit pour les gagnants s'il vous plaît. Du bruit. On veut un petit mot, s'il vous plaît, un petit mot. On a gagné, hein. On va prendre ça. Quel effet ça vous fait de représenter votre quartier à Paname? On va essayer de faire du mieux, du bruit qu'on peut. Ok, du bruit pour eux, s'il vous plaît. Eh, hey, aussi. Faites un maximum de bruit pour l'équipe finale, s'il vous plaît. Faites du bruit pour la team Paras, s'il vous plaît. Ils sont un peu déçus, mais franchement, ils ont très bien représenté. Vous savez qu'il y a une équipe gagnante. Il y a une équipe perdante, forcément, mais il y a un MVP. Ok, on a tous voté pour le MVP. Les meilleurs joueurs de ce tournoi aujourd'hui, c'est. Oh. On fait du bruit pour Abderrahman. Oh. D'ici là la famille, la recette elle a pas changé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout abonner.